une seule source provienne de nombreuses images. Plus le temps passe, plus haut et plus être tout autre. Pour faire mon fuir, le moi est formé le nôtre. De parcours choisi libre, librement, à travers l'espace et le temps. Dans ce centre, chaque action change ainsi l'histoire. L'acte d'avant étant lié à celui d'après devient mémoire. Une seule source provienne de nombreuses images. Plus le temps passe, plus haut et plus être tout autre. Pour faire mon fuir, le moi est formé le nôtre. De surpris par cette connexion des émotions, nous qui naviguons sur des fleuves bien différents, mais apparemment uniformes dans leur présentation. Nos histoires, nos choix nous ont reliés à présent. D'une seule source proviennent de nombreuses images. Plus le temps passe, plus haut et plus être tout autre. Pour faire mon fuir, le moi est formé le nôtre. De parcours choisi libre, librement, à travers l'espace et le temps. Dans ce centre, chaque action change ainsi l'histoire. L'acte d'avant étant lié à celui d'après devient mémoire. Par cette connexion des émotions, nous qui naviguons sur des fleuves bien différents, mais apparemment uniformes dans leur présentation. Nos histoires, nos choix nous ont reliés à présent. Chaque action petite ou grande peut changer les destinées. Cachées dans cette immensité et ces diversités, nous suivons tous une voie sans savoir où ça va nous mener. Un constat qui forme notre unicité. La connectivité des sens et des événements est ainsi forgée. C'est ce qui aujourd'hui nous a permis de se trouver. Notre unicité. Chaque action change ainsi l'histoire. L'acte d'avant étant lié à celui d'après devient mémoire. Devient mémoire. Devient mémoire.